Chante alors ta chanson. Un beau matin, elle était seule devant. Avec chanson camerounaise. Immobile, c'est yaya, mobile, c'est yaya. Immobile, chut. Immobile, chut. Immobile, chut. Il connaît pas ça, ça c'est pour Yaoundé. Parce qu'à Douala on chante pas ça. Ah bon? Je ne connais pas. Voilà le goût de Douala, de Yaoundé. Quoi? On a les chansons, on a les jeux. Pardon. Ouais, c'est pas les chansons sauvages. Non. Immobile est sauvage. Non, les chanteuses sauvages du pays, elles viennent d'où? Allo, allo, bienvenue sur ma chaîne, ici Karine Rowe. Coucou, moi c'est Adriana. Aujourd'hui, on va faire le ethnicity tag. On va parler du Cameroun. Mais cette fois-ci, on va faire un peu différemment. On va parler des deux capitales du Cameroun. Donc, moi, je vais parler de Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Et moi, je vais parler de Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun. C'est là-bas que Fobia vit. Ah oui, voilà. J'espère que vous êtes prêts pour nous. Hein. Et avertissement, Adriana et moi, nous aimons le Cameroun. Mal, le feu sort. Donc, ce n'est pas qu'on est en train de faire une opposition, c'est vraiment juste du tout. De l'humour. De l'humour. Mais avec un peu de vérité. Oui, bien sûr. Toujours. Chacun dit que sa ville est meilleure. Oui. Moi, Douala, pour moi, là, c'est meilleur. Moi, Yaoundé, c'est la terre rouge. Je ne supporte pas vivre à Douala en saison de pluie. Maman Sarah. Hey! Les inondations. Dépassé. Je ne parle souvent où à Douala. Parce que moi, où je connais Douala, il n'y a pas les inondations. Je ne parle même pas des inondations. Douala, Douala est sale. Et hey, Douala est sale. Fait, c'est le sable. Et quand il pleut, tu vas au marché. Ça fait. Je ne sais même pas comment je dis ça. Je vais utiliser une expression camerounaise. Ça fait pia, pia. Pia. Attends. Qu'est-ce qui est plus sale entre la terre rouge et la boue là? Non, moi pas des. À Yaoundé, non, à Yaoundé on peut pas porter le blanc. La terre rouge là, tu vas faire comment avec la terre rouge? Il faut être juste prudent. Prudent comment? Peu importe où tu te trouves, porter le blanc là, il faut être prudent. Non, ton blanc non, il n'y a pas, non, il y a pas de problème à Douala. La poussière fait quoi sur le blanc? Pardon, ça dérange. Bon, parlons des nourritures. Okay. Parce qu'au Cameroun, la nourriture. Diversité, je dis voilà. Que. Quand on parle des plats nationaux du Cameroun, quels sont les plats nationaux qui viennent de Yaoundé? Oui. Le sanga, le coq. Donc tu dis à un étranger. Mais ils sont ouverts à goûter, Karine. Non, je suis étrangère. Ok. Si on dit à un étranger, plat du Cameroun, qu'est-ce qui va sortir en premier? Pardon, tu as dit que tu n'es pas dans la vidéo. Voilà, elle a dit. Dès que je viens de Yaoundé. Peu importe d'où ça vient. Ouais, dis, c'est quoi le plat national? Le ndolé vient d'où? Mais le ndolé là, c'est légumes. Sanga, c'est légumes. Coq, c'est légumes. Si tu dis au coq, pardon, pas coq, au coq, c'est les légumes. Si tu dis, en tout cas, moi j'ai un ami ivoirien, il est vraiment ouvert. Big up à Moussa. Il est vraiment ouvert à découvrir. Il a aimé le ndolé. Depuis, il me demande de faire le héron. Mais tu auras ton héron. Si je fais même le sanga, il va sauf que manger. Si je fais le coq, il va sauf que manger. Ce n'est pas ça le départ. Le départ, c'est que c'est pas à Douala, il y a plus de bonnes choses, des bonnes choses à manger. Regarde le poisson braisé. C'est pas les Douala. J'avoue que le poisson braisé est bon. J'avoue que le ndolé est bon. Mais j'avoue aussi que le mbongo, le coq, le sanga. Le cuit est de l'ouest. Attends. Ouais, la fille, c'est ce qu'elle veut faire dans la vidéo. Si tu veux dans la vidéo, tu viens une fois Françoise. Ça va. C'est comment? Le bicoma, c'est quoi Françoise? Non, tu connais pas. Anis frais, arachide écrasé à l'intérieur et on met un peu de sel et parfois un peu de sucre. Ah bon? J'ai jamais goûté. Toi, tu as goûté. Puis quand on met ce sucre, on ne met pas le sucre. Quand on met ce n'est pas sucre, on met juste un peu de sucre à l'intérieur. Maman, tu connais les choses. Ça, je ne connais pas. Donc, à Douala, il y a le ndolé. Que tout le monde. Oh. Tout Camerounais mange le ndolé. Si t'as pas le ndolé, le poisson brisé. Tout ce que tu viens de dire si là, c'est pas tout le monde au Cameroun mange. Si t'as pas le ndolé, le poisson brisé. Mais c'est suffisant. Ça. C'est suffisant, ouais. Pas des plats nationaux. Bon, hein. Parlons de vos bâtons de manioc. MMC. MMC, Kadouala, le bâton de manioc là. Non. Pour vous, est grossier seulement. C'est gros comme ça, tu ne sais pas où pour le goût, mange. Le goût de ça. Non, moi, tu le crois goût. De finir un bâton de manioc. Mais oui, bien. De Yaoundé. Mais non. C'est du trop. Tout, du tout. C'est trop. C'est du gros. Tout, c'est trop. Le goût même n'y est pas.
Le goût même n'y est pas. La première fois que j'ai mangé le bâton de manioc cadeau, là, j'étais sidérée. En fait, je n'avais même jamais vu. Non, je n'avais même jamais vu le bâton autant petit. Parce que quand. C'est sérieux. Très sérieux. Parce que moi, j'ai toujours vécu à Yaoundé. Et à Yaoundé, les bâtons de manioc étaient gros. Donc, j'étais surprise que ce genre de bâton existe. Donc, moi, je comprends que c'est pas le bâton. Mais le miandor est plus mince que vos bâtons de manioc. Miandor, c'est miandor. Vos bâtons de manioc, on ne trouve même pas ça à Yaoundé. Les Yaoundé ne font pas le bâton. Les Yaoundé ne font pas le bâton de manioc comme ça. Non. Mais c'est le goût, elle apparaît, non? Bon. Ça dépend. Donc, tu finis un bâton de manioc là. Mais oui, et avec le coq. Maman, sans lécher les doigts. En tout cas. Dérangé. À Yaoundé, on est respo. On c'est parce qu'il y a là-bas le ministère. Il y a les gens. Non, c'est parce qu'il y a les l'élégance. Il y a la classe. Il n'y a pas d'élégance. Ouais. Maman, que j'ai doit les soins les pas appelés. Donc. Mais tu es marié avec quelqu'un qui est doux. De doigts là. Pourquoi tu parles de ça à Yaoundé? Comme ce soir n'est pas appelé. Car mon frère, les trois au Canada, tu pensais que si c'était à Yaoundé là-bas, je devais croiser quelqu'un de doigts là. Ah, je ne suis pas certaine. Peut-être dans le bus. Dans le bus. Oui. D'accord. Citons chacun 5 quartiers de Douala et de Yaoundé. Eh hey, maman, toi tu vas citer les quartiers de Yaoundé, 5 mois ici les quartiers de Douala. 5. Bonamou Sadi. C'est trop facile, comment tu vas pas connaître? Ouais, et tout dit, c'est là-bas que Pobia est. C'est l'autre. Bonaloka. Konengi, où y a la prison? Lokpong. Tu dis seulement, tu ne dis même pas où c'est. Moi, il dit, je suis dépassée. Je suis dépassée. Je vais te dire qu'il y a quoi là. Tu as entendu seulement dans Connie du Brancon dans le. Le point n'est pas l'enconnu du Brancon. Ngousso. Ok, Ngousso. C'est des palmiers. Les quartiers, ma képé. Les quartiers à Douala, au moins, quand tu parles. Le Goti. Ouais, tu veux que je continue. Là, tu connais Douala. Mirage. Non, tu connais Douala quoi. Je continue. Continue. Le Baba. Je continue. Yangwa et Kélé. Non, mais non, je suis tellement loin du quartier. Tu n'as pas, tu n'as pas arrivé à 10. Tu n'as pas arrivé à 10. Continue alors. Arrive à 10. Dakar, Bonaberry. Comment tu connais tous les quartiers là si tu n'es venu hey, maman pas? Ouais. Ta fille s'est aimée seulement venir en vacances à Douala parce qu'à Yaoundé toute l'année elle s'ennuyait. Non, non, c'est non, vrai, Adriana dit la vérité. Non, c'est vrai. Attends, à Yaoundé, tu t'ennuyais. Dès qu'elle arrive à Douala là. Ce n'est pas question d'ennui. C'est question de que quand tu pars à l'école, 9 mois, tu as besoin de. Même ici, n'est-ce pas? À tes vacances, tu voyages. Ah non, tu es en train de dire que quand on est à Yaoundé, quand on est à l'école, il n'y a aucune autre activité durant les week-ends. Il y a non, rien. Quand c'est le peu importe de. Bastos. Non, c'est juste venu dans ma tête un coup comme ça. Comment je ne connais pas Bastos? Peu importe. Attends, où il y a la briqueterie? Bon, c'est ça que je t'ai dit, briqueterie. Tu voulais dire les 50-50. Briqueterie, c'est un quartier. Hein? Quoi? C'est là où il y a la briqueterie. Je croyais que c'était le nom de l'endroit. Non, c'est bon, j'ai jamais été à la briqueterie. Une fois, ah, maman, elle a raté une partie de sa vie, les 50-50. Hey! Oh le feu sort. Tu as goûté le porc brisé de la cour suprême de Makepe. Mais c'est qu'il m'avait amené quelque part où le porc brisé et c'était bon. Ah non tu avoues. Mais le porc brisé, on vend le porc brisé partout. Même à Yaoundé on vend le porc brisé. Le porc brisé, c'est pas les porcs, ça, là, c'est pas on parle du porc, le porc mange ça partout même ici. Porc brisé. Mais oui. Mais oui. Il y a des endroits spécifiques à Douala. Alors on est aussi mangé 50-50. Bon ça j'ai jamais mangé, il faut que je goûte. Ok. Mais ce qui m'énerve à Yaoundé c'est qu'il y a trop les noms. Que oh c'est le fils de, ministre de, bah, c'est la capitale politique. Bon, ça, il y a trop ça, oui. Ça, j'avoue. Genre il y a des choses... Comme avec non, c'est le fils de, on lui donne la priorité sur cette chose. Mais à Douala, ce n'est pas aussi fréquent quoi. Ah bon? Même fils de. Même les élèves qui partent à l'école, c'est quoi votre école? Dominique Savio, ils ne disent pas fils de. Maman, moi, je n'ai pas été à Savio, je ne peux pas parler pour eux. Eux, ils ont leur truc de fils à papa là-bas, mais moi, je parle de dans la vie de tous les jours là. Non, même à Sakia, là où tu as fréquenté, il n'y a pas fils de. C'est moins fréquent. Non, mais c'est moins fréquent que je trouve à Yaoundé parce que par exemple
j'ai entendu des histoires genre c'est le fils de tel ministre, les gens se bousculent pour laisser le passage. Oui, ça j'avoue quand même qu'il y a il y a ce phénomène là, Yaoundé, ça j'avoue, je peux pas et que quand Pobi a pas son bloc toutes les routes, vous devez avoir des embouteillages. Ah là là, c'est grave. Il y a pas ça à Douala. Voilà. C'est grave, je me rappelle une fois, il passait, je sais même pas où il partait, il partait prêter serment, on venait de faire de le réélire président. On nous a fait marcher. Je pense que c'était la première fois et la dernière fois de ma vie que je suis allée m'aligner quelque part où vous deviez le attendre. Exactement. Oh. On avait bloqué les routes. Et le pire, c'est que quand on l'a vu passer, on ne débloque pas les routes tout de suite. Parce que je me rappelle le jour-là, j'avais marché de mon école à Bastos. Imagine, tous ceux qui connaissent Yaoundé. Moi, mes parents vivent à Fujerolles. Fujerolles, c'est après Elébeur et je fréquentais à Bastos. Donc, j'avais marché de Bastos jusqu'à je sais même plus où. J'étais parce qu'on avait bloqué, c'était bloqué. Et ça, ça doit arriver quand même. Oui. En tout cas, quand il passe. Donc, à Douala, il n'y a pas ça. Douala, il n'y a pas ça. Et puis, à Douala aussi, je trouve qu'il y a plus de divertissement. Sérieux, je pense que vous avez les bons endroits pour manger. Mais pour se divertir là, je ne parle pas des boîtes de nuit parce que ça ne me dit pas grand chose, ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est possible. Mais c'est possible. Je trouve que c'est plus naze. C'est possible. Le feeling. Je suis sûre que si tu étais née à Yaoundé, tu aurais pensé différemment. Parce que elle est née à Douala, moi je suis née à Yaoundé. Nous avons tous grandi, elle à Douala, moi à Yaoundé. Donc quand tu vis dans un milieu, que tu évolues dans un milieu, c'est normal que tu ne vois pas forcément l'intérêt à aller de l'autre côté. Par exemple, Nanou, elle a fait Yaoundé, Douala, mais elle préfère quoi? Elle s'adapte. Ça, je n'ai jamais posé la question, par exemple. Honnêtement. C'est une bonne question. Ce serait une bonne question. Ça, je vais poser la question et je répondrai la prochaine fois. Même dans les commentaires. Oui, même en commentaire. Parce que ça aide justement sa petite soeur avec qui Douala et Yaoundé. Elle est mieux placée. Elle est mieux placée pour dire oui. Mais par contre, moi, c'est que ma mère, elle est née à Douala, grandi à Douala, mais quand elle s'est mariée, elle allait vivre à Yaoundé. Mais aujourd'hui, même si tu payes ma mère, combien peut pas aller vivre à Douala? Elle ne supporte plus le climat. Et la chaleur. C'est vrai aussi qu'à Yaoundé, il fait moins chaud. C'est bon, ça c'est une chose aussi qui attire beaucoup de gens vers Yaoundé parce que la température est vraiment plus clémente. Elle est ambiante, C'est bien. Alors qu'à Douala, il fait chaud. Les moustiques. Maman, tu sortais où pour les moustiques, c'est moi qui te choisis. Maman, je ne sais pas. Même tu connais avoir ma peau, donc. Toi, donc, tu as dit que toi, tu attires les moustiques. Parce que mais vraiment, honnêtement, c'est quelque chose qui me terrorisait, en tout cas. Quand j'allais à Douala, c'est quelque chose qui... C'est vrai, par exemple, que chez vous, il n'y avait pas tant de moustiques, mais il y en avait quand même. Et puis, quand tu restes aussi dans la clean... C'est sûr qu'il ne vient pas. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, il y avait quand même, je sais pas, c'est une fois par mois ou chaque deux mois, il y avait des gens qui venaient pour pulvériser des insecticides. Oui. Donc tout le monde sortait de la maison. Après, il fallait faire un nettoyage complet de la maison. C'est vrai que. Bon, c'est possible. Mais il n'y a pas de moustiques à Yaoundé du tout. Moins. De plus en plus, mais moins, mais de plus en plus, plus le temps passe. C'est ça que je comprends pas le phénomène en fait. En tout cas, avant que moi je quitte, on les a chassés, ils viennent vers vous. J'ai l'impression. Avant que moi je quitte le Cameroun, il n'y avait pas beaucoup de moustiques, vraiment même très peu, voire même rare. Mais depuis que après des années passées hors du Cameroun, quand je rentre pour les vacances, je trouve qu'à Yaoundé, il y a de plus en plus de moustiques. Mais peut-être aussi parce que tu vis ici. Ouais, peut-être. Un autre phénomène qu'on oublie, Douala et les Benzikin. Je n'ai jamais vu ça. Benzikin avait dit les motos là. Les motos là. Excusez-moi, les motos. Déjà, désolé si je prends mon accent du Cameroun là. Parce que quand on parle du Cameroun, ça me. Donc, ça me touche jusque dans les os là. Aïe aïe aïe. Voilà. Non, Douala mais Douala et les motos. Mais quand tu es à Douala, tu n'as jamais pris la moto. J'ai le choix, les embouteillages. Mais oui, c'est rapide. Et le vent dans les cheveux. Tu te maquilles, tu arrives sur place. C'est en fait. Honnêtement, tu vas pas transpirer. Honnêtement, je prends à contre-coeur. C'est dangereux aussi. Je prends les motos à contre-coeur quand je suis à Douala. Parce que vraiment, si je ne prends pas, il y a beaucoup d'embouteillages. Puis tu te sauves beaucoup de minutes en prenant les motos. Mais c'est dangereux. Oui. Bien honnêtement, il y a des gens. Moi-même, une fois en montant sur la moto, je m'étais brûlée un peu la cheville. J'ai même la cicatrice, ouais. C'est là que j'avais vraiment diminué La fréquence. Oui, la fréquence, mais sinon la moto,
ça te prend d'un point A au point B. Oui, un peu de temps, quoi, un peu de temps. Mais pourtant, Yaoundé, vous n'avez pas ça. Et ben, le phénomène est en train de pas, peut-être pas au centre-ville, un peu comme à Douala, mais pour entrer dans les quartiers. Oui, un peu entrer dans les quartiers de plus en plus. Mm-hmm. Pour entrer dans les quartiers. Mm-hmm. Mais une chose aussi, où Douala et Yaoundé se ressemblent, les routes, il n'y en a pas. Je te dis, c'est grave. C'est la même chose. Pardon, les politiciens là, faites quelque chose. Faut faire les routes, s'il vous plaît. Arrangez les routes, s'il vous plaît. Au moins les routes. On va mettre peut-être montrer les routes de Montréal, oui, s'il vous plaît. Regardez vous-même. Il est politicien là, pardon. Arrêtez seulement de penser à vous. Mmh. Pensez aussi faites à les routes. Pensez à tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'être, par exemple, au niveau où vous êtes. Et puis, au moins les routes, le minimum. Mmh. Les routes au moins. Faut faire quelque chose. C'est ça. En tout cas, si toi tu es politicien, tu regardes la vidéo là, faut entendre. Oh, c'est ça. Faut entendre. Et agir. N'entends pas seulement, agir aussi. L'habillement des Yaoundé et de Douala, là, c'est pas la même chose. Ah bon, c'est comment là, les gens ne portent pas les vestes. Quand quelqu'un arrive, arrive à Douala et qu'il commence à mettre. On voit quelqu'un en veste à Douala, on dit c'est un Yaoundé. Hey, donc les gens partent au bureau sans veste. Il fait chaud, le climat ne permet pas. Il y a les climatiseurs. Oui, mais à Douala, l'habillement des gens de Douala, vraiment. Mais, on dit plutôt que les gens de Douala sapent bien, les sapeuses, on les sapeurs. Oui, tu peux être sapé sans être élégant, tu peux être sapé tant. Tu peux être sapé sans être élégant, on dit que les Douala ne sont pas élégants. C'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit quoi? J'ai dit que tu peux saper sans être élégant. Mais j'ai pas dit que les gens, pardon, les gens de Douala ne me tuez pas. Oh. Mais vos tenues un peu sont assez légères, s'il vous plaît. Mais. Léger, il fait chaud, de faire comment? Tu as vu des gens dans le... C'est pour ça qu'on dit l'habillement entre les gens. Donc pour vous, l'élégance se justifie par une veste. Donc si quelqu'un n'a pas de veste, il n'est pas élégant. Non, non, pas forcément. Ah. Mais au moins, habillez-vous. Habillez-vous, tu m'as dit quoi en fait? Des gens ne doivent pas trop les tenues légères. Et ça, c'est vrai. Tu veux dire quoi? Par exemple, les filles s'habillent trop en mini-jupe, les trucs comme ça. Oui. Oui. C'est de là même que c'est parti de Douala pour Yaoundé. Avant, à Yaoundé, il n'y avait pas trop ça. Ah bon? Oui. Les filles s'habillaient, se couvraient. Oui, assez descendu. Ah, même toi? Ben oui. J'étais assez descendu. S'il vous plaît. Attendez, je vais vous montrer nos habits. C'est le Canada. C'est le Canada. Elle a le pantalon déchiré. C'est le Canada. Moi j'ai le pantalon, je suis couverte. Tu parles de quoi? C'est le Canada. Bon. C'est le Canada. C'est le Canada. Au Canada qui fait froid. C'est là. Le fait de tu voyager. Tu prends le pantalon déchiré comment? Quand on voyage, il y a l'ouverture d'esprit. Dans l'ouverture d'esprit, ça ne justifie pas les habits déchirés, mais. Il y a l'ouverture d'esprit. Mais les gens de Douala là, c'est même pire que ça. Moi je suis habillée. C'est vrai que les filles, quand même, à Douala là. Elle commence même d'apporter les culottes aux fesses. Il y a même une loi qui était sortie que les filles n'ont plus le droit. Il y avait ça, non? Mm-hmm. À Douala? Oui. Parce que les filles exagéraient. Tu portes la culotte, tu restais pour ta chambre ou c'était vraiment pour la rue? Bon, il y a quelque chose que j'ai oublié. Yaoundé, il y a trop les bars. Pardon, diminué. Oui. Avant. Partout, il y a les bars. Il y a beaucoup de bars et on danse quoi, le mendiang. Et ce qui est là, c'est que derrière, juste à côté, il y a le lycée. Donc, ce qui fait que les élèves sortent, ils entrent seulement au bar. Mais c'est un choix aussi. Qui a amené tes pieds au bar? Tu peux aussi traverser le bar. Ça, tu rentres chez toi. Mais moi, je pense qu'on devrait un peu autoriser l'ouverture des bars. Des écoles, oui, quand même. C'est mais est-ce qu'il y a les autorisations avant d'ouvrir le bar? Quelqu'un achète le terrain ou bien il loue l'endroit. Il va seulement faire ce qu'il veut. Et un truc à Douala là aussi qui avait le Ngondo. C'est une cérémonie traditionnelle des Yaoundé, des Douala. Ils font ça près de ça, l'eau. C'est assez populaire. Ça, c'est populaire. Oui. Il y a même des pagnes. C'est vraiment bien. Oui. Il y a des foires. J'ai jamais assisté à ça, par exemple. Non, c'était vraiment bien. On partait à côté du Vouri. À Douala, les femmes ont cette possibilité d'avoir des pêches comme planter des bons marchés, des pommes, des pommes à Yaoundé. Il n'y a pas encore ce système. Et quand il y a une nouvelle mode, la mode généralement commence souvent à Douala. Ah, c'est bien comme tu as dit que c'est nous qui donnons la tendance au pays. Oui, ça j'avoue. À Douala, les choses commencent. J'avoue. Mais c'est normal aussi. C'est un peu normal aussi parce que le port est à Douala. Mmh. Donc vous recevez directement les choses.
Et ce qui fait que les commerçants, même à Yaoundé, avant de venir revendre, elles passent par Douala. Le coût de vie est un peu plus élevé à Yaoundé qu'à Douala. Non, je crois à Yaoundé. Mais la plupart des écoles nationales de Cameroun sont à Yaoundé, avec les ministères. Des écoles universitaires, genre l'UNES, l'université catholique, l'école normale, NAM aussi. Les NAM. Les NAM, c'est ça. Les NAM, la plupart des grandes écoles, c'est à Yaoundé. Et pour nous, c'était tout. Et si vous avez des trucs que nous on a manqué, que par exemple des différences que vous faites de votre côté, que nous on a manqué, mettez-les juste en commentaire pour qu'on les lise aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et on se revoit très bientôt. À bientôt. Bye. Bye.